Oui. Solidarité avec Gaza. Solidarité avec Gaza. Mais en France, à un moment donné, les sciences. C'est vrai que c'est à peu près pas mal. En France, les sciences politiques aussi. Hein? Oui. Ça va bien? Mais... C'est comme les nappes, à un moment donné, c'est. Oui. C'est comme... Ça, c'est une action solidaire. Les Juifs font la poste dans les États-Unis qu'ici. Ici au Canada, Québec, Montréal, c'est encore très difficile. C'est très contrôlé. Même le Congrès juif du Canada, c'était déçu par les sionistes. Il n'y a plus de Congrès juif du Canada. Non? Parce qu'ils ont fait un conseil sur les affaires israéliennes et juives. C'est ça qui a remplacé le Congrès juif. Qui est ridicule parce que c'est très sectaire. Alors, c'est juste une idéologie qui contrôle tout. Le boycott, le bénédicte, je le prononce comme il faut. Oui, ça c'est rendu sioniste maintenant. Ce n'était pas par avant, mais maintenant oui. Il y a eu un massacre, carrément. On a la liste des morts ici sur ma pancarte, en fond. Une partie, juste une partie. C'est juste pour aujourd'hui, il y a un an. Puis je suis ça assez fréquemment aussi à travers les différents sites de Facebook. Puis qu'est-ce qui est surprenant, c'est non seulement que... il y a beaucoup de gens qui sont anti-sionistes, mais il y a de plus en plus de juifs qui sont anti-sionistes aussi. Puis ça, je pense qu'à un moment donné, ça risque d'ébranler le sionisme de l'intérieur en Israël, entre autres. Puis aussi, je pense que je fais ma part parce que je boycotte aussi les produits, entre autres, aussi qu'il y a un track sur l'humus. Je pense que je fais ma part dessus. Puis des fois même que je fais un petit peu, je dirais, mon devoir est fait actif, en écrasant les bois. Par rapport à la politique. Ça, c'est évident à part, c'est un sioniste. Puis je pense que c'est le sioniste qui ressemble un peu à celui du sud des États-Unis. Finalement, je veux dire, c'est les chrétiens, là, je veux dire, du Babel Belt, qui croient à un moment donné que les Juifs ont droit à retourner dans leur terre promise. Puis, dans le fond, c'est des considérations bibliques. Puis Harper, je pense qu'il est conscient. Il ne croit pas à la science, il croit à rien, sauf en la Bible. Puis je pense qu'il s'appuie là-dessus pour faire sa position. OK. Merci en tout cas pour votre... Merci d'avoir parlé. Okay.